Yon l'autre fois, go bonjour à tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombard Media là et puis Bombard Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, ou pas oublier abonner avec Bombard Media Now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombard Media Now là. Et bien, nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Je remercie la presse qui est présent matin au bureau du président du Sénat de la République. Merci. Qui reçoit le président de la Cour des comptes et du Conseil administratif, le président Ravine Bouaguené, accompagné du conseiller Mokovin Saint-Just et son directeur de cabinet, qui était informé nous de la décision de la Cour de venir nous remettre des rapports ou un rapport. Nous ne savons pas de quoi il s'agit exactement. Et c'est pour ça que nous allons passer la parole au président Bouaguené pour les suites. Président. Merci, président. Comme vous le savez déjà, en février 2018, le Sénat de la République a pris une résolution demandant à la Cour d'auditer la gestion du fonds Petro-Caribé. Depuis lors, la Cour a mis au travail et deux rapports ont été déposés au Sénat de la République, respectivement le 31 janvier 2019 et le 31 mai 2019. L'étape déposée deuxième tranche rapport, nous avons dit que nous allons mettre les bouchées doubles pour nous bailler la dernière tranche. Effectivement, à la Cour, on s'était mis au travail. Comme vous le savez déjà, de septembre 2019 à date, le pays a connu des moments difficiles, notamment avec les troubles socio-politiques et également avec la propagation du coronavirus. Malgré les difficultés, pour nous être capables de permettre, nous avons des équipes qui allaient dans des villes de province pour aller vérifier des sites pour que nous avons des projets qui ont été exécutés. Nous avons amené de courage, nous prenons le risque parce que nous avons fait pour mes stades de Dina Kembe pour nous remettre dans notre travail là. Nous prenons le risque. Nous allons aller, nous visiter des projets et nous finir avec des intrants qui permettent que nous baillons actuellement là, dernier tranche rapport, qui c'est un rapport qui est très volumineux, plus de 1000 pages, que moi-même qui accompagne le conseiller Saint-Just Montpellier, nous infatigables travailleurs au niveau du conseil là, et mon directeur de cabinet. Côté de mon honneur matin pour me remettre à président Sénat deux versions, version papier et une version électronique en PDF sous le clé USB. Merci. Merci. Je remercie le président Bouaguené, président consulaire des comptes conventions administratifs, ainsi que le conseiller Mokovin Saint-Just, le directeur de cabinet, qui respectait l'engagement et pour répondre à travail résolution Sénat et prend le 1er février 2018. Comme président Bouaguené dit, effectivement, t'es gagné au premier tranche rapport là, t'es remettre en février 2019. T'es gagné en deuxième tranche, 31 janvier 2019. T'es gagné en deuxième tranche qui était en mars, 31 mai 2019. Troisième tranche, t'es en tout compte attendu. Jusqu'à pendant que j'ai commencé à faire l'introduction, comme si c'était rapport Petro-Caribéen. Donc c'est troisième tranche qui était pour mettre que t'as travaillé sur lui-même. Et nous féliciter, malgré difficultés, qui gagne pour des déplacements par rapport à la question du climat et de sécurité qui gagne toute l'année 2019 là, et au début de 2020, ils ont continué à faire travail pour livrer, ça a fait. Ils ont mérité
compliment et tout ça, risque de prendre et pour conduire fait travail comme ça de loi. Mais pas, ce sont les articles 200 et suivants de la Constitution. 200 et suivants de la Constitution qui fait de la Cour des comptes un organe maintenant de contrôle administratif du XML des dépenses de l'État. Et c'est le bras technique du Parlement, du Sénat de la République. Nous-mêmes, nous avons toute compétence à ce Sénat. Et là, nous avons un dossier financier, un dossier de compte, quand on doit quitter par nous, on a le côté compétent, chercher compétence là, on a cours des comptes pour faire travailler la zone. Donc, nous parlons de ça comme un rapport, la troisième tranche, là, effectivement. Mais nous savons que la première tranche a été déjà cheminée par devant les autorités compétentes. Nous allons nous recevoir au nom de l'Assemblée des sénateurs et nous allons nous réunir avec maintenant les sénateurs et pour nous distribuer le rapport là et à décider maintenant pour nous faire le même chemin que le rapport a été fait avant la première tranche et la deuxième tranche qui était remettre. Encore une fois, nous avons dit président pour là, conseiller mon premier directeur cabinet, et nous avons dit président transmettre félicitations à notre membre. Conseil pour des comptes, contentieux administratif, pour effort faire, pour travail faire, pour respecter l'engagement, pour travailler que la loi, la constitution, m'a dit pour vous faire que vous faites. Président, nous vous remercions et merci à notre merci. Même conseil. Merci. Voilà. Merci. De donner à prise de réception de la présidente. Président. Merci. Et voilà. Merci de nous remercier la presse pour présence nous et à bientôt. Sur le site de la Cour. Donc si vous voulez avoir une copie du rapport, donc allez visiter le site pour dans le moment que vous parlez à là, automatiquement nous faire des pouvoirs. C'est que nous avons bien à voir ce site pour vous pour défendre. Allez venir à négocier un petit peu de vous. Ok, non, là. Nous ne connaissons pas le détail, mais quand même, dis-nous, est-ce qu'il y a des modifications qui sont faites dans le rapport? Par rapport avec deux derniers rapports antérieurs. C'est un autre rapport avec la même méthodologie. Mais c'est un autre rapport, un rapport qui est différent. Ça fait nous éviter un rapport deux, un rapport trois. C'est la même méthodologie qui vient bien, mais c'est un autre rapport. Mais entre-temps, nous connaissons un peu le monde qui a obtenu l'arrêt de BA qui est nous souhaité. Bon, nous avons senti que nous avons déjà pas cohérent. Si nous définissons un premier rapport, un deuxième rapport, mais pas de troisième rapport à sortir, pour nous tout faire un package, pour tout dossier qui a un rapport avec les gens qui sont justiciables devant la Cour, pour nous même pour nous entendre. Parce que ça, pour nous comprendre, il y a des gens qui ont un rapport qui n'est pas justiciable devant la Cour. Par exemple, si nous prenons des cas des anciens premiers ministres, des anciens ministres, nous ne sommes pas justiciables devant la Cour. Donc c'est ça qui fait notre travail, le commandant est placé par le Sénat de la République, nous déposer un rapport. Tous les trois rapports dans le Sénat, donc le Sénat lui-même il vient pour faire suivi. Nous-mêmes, tout ça qui concerne nous des gens qui justiciables pas devant la Cour, mais ça nous-mêmes n'avons tant de dossiers pour nous. Comparativement à l'autre rapport, de l'autre rapport, qui ça gagne comme modification ou bien comme adjustement? Allez sur le site de la Cour, allez le rapport, et puis après ça va faire commentaire dans l'émission qu'on va aller faire. Nous gagnons toute une série de monde qui très souvent a intervenu sur la question constitution. Nous estimons que le débat constitution, c'est un sujet d'actualité par rapport à toute l'autre question. Et l'objectif forum, c'est recueillir, donner point de vue, commentaires, analysant, réaction tout le monde sous question débat constitutionnel là, pour nous voir comment que nous sommes capables d'arriver à un document de synthèse, un document de référence, un document de base que nous soumettons aux autorités au plus haut niveau. Au niveau de l'OPC, nous n'avons pas de position arrêtée pour le moment sous question constitution. Nous pas capable de dire nous pour amendement, nous pour révision, bien nous pour adoption de notre constitution. C'est mon qui peut dire, c'est participer qui peut dire. Seulement, nous avons fait un document de synthèse que nous avons volé aux plus hautes autorités, c'est-à-dire au niveau de la présidence, au niveau de la primature. Et nous avons tenu compte de tout ça que nous avons dit. Il y a des gens qui sont dans tout département, là, dans les 10 départements, et il y a des organisations de la société civile, en toute liberté, nous avons exprimé et nous-mêmes. N'a pris un document pour nous capables de soumettre aux autorités. Cependant, nous avons une position de principe par rapport à ce débat. Nous croyons que quel que soit amendement qui est capable de faire, quel que soit révision constitution qui est capable de faire, ou bien quel que soit une nouvelle constitution qui est adoptée, eh bien, il y a des bagages pour respecter.
Et parmi les bagages que vous respectez, vous devez respecter la protection des droits de la femme, vous devez respecter la protection des droits de l'enfant, vous devez respecter la liberté de la presse, vous devez respecter le principe de la non-discrimination, vous devez respecter l'alternance démocratique, vous devez respecter le pluralisme politique, vous devez respecter l'indépendance du pouvoir judiciaire, vous devez respecter le principe de l'inamovibilité pour les magistrats. Donc c'est des principes qui sont fondamentaux, c'est des paramètres en matière de démocratie, c'est des bagages qui sont importants pour nous-mêmes en tant que droits humains, et c'est peut-être ça que nous avons goûté, quel que soit le cas de figure, que nous arrivions avec une nouvelle constitution, un amendement de la constitution ou bien une révision de la constitution, nous allons le goûter pour que les bagages soient capables toujours dans la loi mère haïtienne. Sans oublier les droits également pour les Haïtiens, les Haïtiennes vivant à l'étranger, ça n'est les diasporas, nous pensons qu'il est le temps pour que nous avons une constitution qui prend en compte mon frère nous, chez nous, qui vivent à l'étranger. Pour avoir le même droit avec mon qui vivent ici. Quel est le rôle du syndicat BNH? Pour le syndicat de la BNH, nous croyons, nous disons au niveau de l'OPC, doit y avoir une relation serrée entre le haut commandement de la police et le syndicat de la police nationale d'Haïti. Parce que le syndicat de la police nationale sont bagailles qui reconnus. Nous croyons que la direction générale de la police pas doit chasser, poursuivre, persécuter membres syndicats. Au contraire, il doit collaborer avec eux pour permettre que le syndicat capable de porter revendications à gens auprès de la direction générale de la police nationale d'Haïti. Et ceci, dans la perspective d'un meilleur fonctionnement, d'une plus grande efficacité au niveau de l'institution policière. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.